like some pound cake. I'd 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 like some pound cake. Thank you.
Non, c'est du sommeil. Ah oui, là, je... Après une nuit blanche. Oh putain, il s'est baissé, c'est une noob de service. Au-dessus là, quoi. Non, il s'est baissé juste au dernier moment, il a de la chance. On s'entraîne pour le championnat ? Absolument pas. Nous avons le numéro 3 en France. Bah, salut, à la prochaine. Je vais la ramener plus ma touche. Depuis quand existe GIB ? Alors la GIB, c'est une association qu'on a montée il y a 3 ans, à peu près. Donc le but, c'est de faire 2 LAN par an. Donc là, on en a fait 4. Donc ça fait 2 ans exactement qu'on fait des LAN, mais l'association va avoir 3 ans. Pourquoi avoir l'idée de la créer et avec qui ? Parce que t'es tout seul Non, non. Alors la GIB, on l'a créée à 3. Donc, Alexandre Rodriguez, qui est notre président, Kevin Taylor, qui est le trésorier, moi, Maxime Villa, qui est le secrétaire. On a décidé de la créer parce qu'on faisait plein de LAN dans les alentours, des grandes LAN, par exemple la GIA, Gamer Assembly, la Pixel, etc. Enfin, plein d'autres LAN. Et on s'est dit qu'il en manquait une par ici, vraiment en Essonne, en région parisienne. On s'est dit pourquoi pas nous. Alors à l'origine, on avait comme dessein de faire une LAN que sur les jeux de stratégie, donc StarCraft 2, les Supreme Commander, ce genre de choses-là, Age of Empire. Mais finalement, c'est un petit peu plus élargi. Toutes nos idées sont données par la mairie. C'est principalement près de la salle, le matériel électrique, le matériel scénique. Alors, ensuite, on passe beaucoup sur les entrées, la buvette aussi. Et puis, sur certains événements, on a d'avoir des partenaires qui nous font confiance. Donc là, on trouve plein des lots un peu dérisoires. Et voilà, c'est vraiment... Mais de toute façon, les clients sont vraiment axés sur le fun. Donc voilà, on a la salle, on a une scène, on a quelques lots offerts et ça nous convient. On a la société Pierre Prod qui nous offre un peu de matériel et son temps pour montage. Et aussi l'association Fosnot aussi qui nous donne un peu de matériel. C'est sympa, vous en sortez bien. C'est vrai que c'est une petite mairie. Quoi, donc... Oui, la mairie nous tient vraiment dès le début. Dès le début, elle nous a prêté l'ensemble du matériel qu'elle avait à disposition. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'elle nous a fait confiance. Et maintenant, on essaye un peu de se débrouiller par nous-mêmes et de trouver des partenaires pour améliorer la C'est la 4e édition. À acheter du matériel. Là, c'est la première lame en précablé au niveau Ethernet et avec des nouveaux serveurs de jeu. Des serveurs assez récents, hein, 8 cœurs, pas mal de RAM, qui ont bien fonctionné ce week-end et qui ont permis de faire du StarCraft et plein de tournois. Enfin. On pourrait dire que c'était toute la nuit aussi. C'est toute la nuit. 36 heures de jeu en week-end. 35-36 heures pour rattraper le temps de travail de la semaine. Quoi. Alors là, pour le moment, les GIB LAN, jusqu'à maintenant, on est sur une pauvre connexion ADSL type cuivré. Donc ça nous restreint vachement dans le nombre de personnes qu'on peut autoriser dans la salle. Le but, c'est de faire vibrer la salle pour pouvoir avoir plus de monde passante, donc plus de jeux en simultané. Et donc, pourquoi pas augmenter le nombre de tournois, etc. Et donc, du coup, forcément, accueillir plus de monde. Là, on est à peu près autour d'une quarantaine de joueurs. Si on peut monter, multiplier ça par 2. C'est déjà pas mal, 40 joueurs. 40 joueurs, c'est déjà pas mal. Là, on est quand même à la ville du bois, c'est pas une ville super belle. C'est pas même on demande si ça existe vraiment. Ouais, c'est ça, et les transports, on pense à la gare de Saint-Germain-du-Bois. Donc, c'est un petit peu loin, il faut quand même l'autoriser. Donc, non, c'est déjà bien pour une 4e édition, en 2 ans, parce que c'est tous les 6 mois.
Puis il y a 50 personnes qui viennent de Nantes, en plus. Oui, parce qu'on en a qui viennent de Bretagne, de Dourdan, de Dijon. On en a aussi pas mal qui viennent de Marne. Oui, Versailles, des Yvelines, de Marne-la-Vallée. Pas mal de Marne-la-Vallée, c'est pas mal. Pourquoi ? Voilà, c'est, de toute façon, moi aussi, faire un petit nom pour que les gens viennent aussi. Voilà, il y a Tulane, qui nous aide pas mal. En plus, c'est vraiment la première publicité avec Facebook. Et donc, justement, maintenant, ce qu'on cherche, c'est à développer le côté communautaire. C'est par le biais du Facebook, du forum, que les gens continuent à parler après la live, soient heureux de se retrouver à chaque événement. C'est l'ambition d'organiser de temps en temps le week-end des rassemblements sur CSGO, sur Minecraft, sur Star. Voilà, on a envie que toutes les personnes qui sont intéressées par GPU viennent jouer. Et puis voilà, c'est de temps en temps, quoi. C'est plus fun, ça permet de transition entre deux événements. Est-ce que vous faites du hors-live, enfin, votre communauté, vous retrouvez par exemple sur des serveurs ou faire un mumble pour tous discuter ensemble, ou c'est uniquement hors-live, enfin, pour le moment, non, mais on aimerait bien. C'est ça qu'on veut, c'est ça ce qu'on veut mettre en place. C'est pas forcément créer GIV online, mais c'est que les personnes qui viennent continuent à jouer ensemble vers les événements. Une petite dernière question. Vous faites beaucoup de PC, mais est-ce que vous faites des consoles aussi? Oui, nous avons deux consoles à disposition des joueurs, donc en toute la ligne. On remet des jeux à leur disposition, le Xbox. Et sinon, pendant la journée, on organise des tournois sur des jeux bien précis. Il y a Soul Calibur 5, Marvel vs Capcom. Marvel vs Capcom. Street Fighter oui, versus Tekken, et avec des lots à la clé pour le premier du tournoi. Donc, il y a des petits lots. C'est sympa qu'il y ait des petites dotations en plus. Voilà. Pour les tournois de fin. Ouais. C'est cool. Bah, si vous avez un dernier petit mot à dire, ou... bah, si vous êtes dans le coin et vous avez envie de nous rejoindre, passer un week-end à jouer sur des jeux fun ou nos tournois officiels, n'hésitez pas. Venir nous voir en visiteur parce que voilà, c'est sympa, il y a toujours la scène pour les finales de tournoi, donc là c'est bien à n'importe qui. Maintenant je vais laisser les gens voir pas, je vous ai 40 minutes et je vais vous faire un petit peu comme tu veux. Ça sera même pas les bonus. Alexandre, on va répondre à la question, deuxième partie. La plupart des sujets, c'est pas stressé. La plupart des sujets. Sinon, vous devriez touche pas un sang. C'est pas une chose qu'il faut jeter. Si tu oses jeter ça, je vais te violer dans ta bouche, me voyez. Je vais te violer dans ta putain de bouche, me voyez.